tout le monde, c'est Learn to Play pour vous présenter un épisode spécial. Non, je déconne, un épisode tout à fait normal sur CitiesXL. Oh, et le lac de la mort qui nous emmène droit sur un concombre archi-design. Ah, compagnie des mines d'uranium. Ouais, tu m'étonnes, ils sont pas chiés. Enfin, bref, bienvenue pour un nouvel épisode de CitiesXL. Sur Learn to Play City. Alors, tout d'abord, pour vous dire, promis juré, l'épisode prochain, on fait une nouvelle ville. Promis juré, cette fois, on fera style à l'américaine. Je vous le promets. Mais dans cet épisode, je voulais faire une dernière chose avant de laisser un peu cette ville. Oula, qu'est-ce qui se passe? Agroalimentaire. Ah oui, effectivement, on a besoin d'agroalimentaire. Enfin, bref. Voilà, donc je remets le jeu. Oula, je remets le jeu. Hop, voilà, nickel. Nickel, nickel. Donc je disais, je voulais régler quelques problèmes et je voulais notamment installer un métro. Oui, puisque on n'a pas installé de métro. Et pour une ville comme ça qui fait bien. Pourquoi je perds de la population là? C'est pas normal. Pour une ville qui fait presque 700 000 habitants, ça me paraît logique, hein. Vous allez me dire. Bon, alors. Déjà. Ah non, c'est pas ça que je veux. Non. Je veux des routes. Ouais, c'est ça. Alors, ils veulent des élites. On va essayer de résoudre quelques problèmes. Attendez, je crois que j'ai mal fait, ouais. Voilà, alors. On va voir ce qu'ils nous veulent. Pff, toujours ces éternels lags, hein. Je m'excuse sincèrement si. La ville a trop mauvaise réputation. T'es sérieux? Est-ce que t'es sérieux? Tu te foutrais pas un petit peu de ma gueule par hasard? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ah, décidément. C'est richous. Ils sont jamais contents. On a beau leur filer je sais pas combien de trucs et ils sont jamais contents. Par contre, je vois... Ah non, on en regagne. Ah voilà, on perd de la population. Mais écoutez... Au loisir. Loisir. Alors on va se... Excusez-moi. On va s'occuper des loisirs. Ça c'est quoi pour grinder? Ça c'est un skatepark. On s'en fout. Ah ouais. Tenez, on va mettre un... Hop. Un héliport. Un héliport de... Non, pas de plaisance. Enfin, je sais pas comment on dit, mais... Voilà, de loisir. Hein. Vous allez voir qu'ils vont être contents. Moi, je vous le dis. What's that? Kodak Theater. Bah voilà, on va mettre le Kodak Theater. Si ça me coûte pas trop cher. Ah, ça coûte que 20 000 à construire. Bah voilà. On va mettre le Kodak Theater, mes amis. Attention, c'est posé. Oula, j'ai perdu beaucoup d'argent. Enfin, de revenus. Et je perds beaucoup, 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 beaucoup. Oh, Kodak Theater. Le Kodak Theatre est une salle de spectacle de 3332 places assises située dans le cœur historique d'Hollywood. Depuis son ouverture en 2001, cette salle dans laquelle l'Academy Awards a élu domicile bénéficie d'une renommée mondiale. Eh bah dis donc, vous m'en direz tant. Vous m'en direz tant, chers amis. Écoutez, on va construire aussi une tour. Il est temps pour nous de construire une tour de loisirs. Je crois que c'est du loisir. Ça c'est quoi? Je ne vois pas ce que c'est. Voilà. Où est-ce qu'on va la placer? On va la placer là. On va la placer au centre. Alors. Méga bug! Bug de l'infini. Hop. Bah, je vais faire une petite coupure et je reviens tout de suite. Heureux, excusez-moi. Nous en étions donc à poser cette merveilleuse tour et méga lag de l'infini. Je me gourre dans les touches pour me déplacer. Alors, regardez-moi comment ça rame à rame. Il est très difficile de trouver de l'agroalimentaire. Ah ouais, de l'agroalimentaire, effectivement. On va voir si avec Fourniville. Alors, agroalimentaire. Où est-ce agroalimentaire? Mais pourquoi je... Ah mince, parce que je crois que... Ah merde! Fourniville, je... Oui, je vends à Omnicorp, en fait, au lieu de... Ah ouais, merde. Là, je suis con. Je suis très très con.
Écoutez, on va. Non, en fait, là, je crois que je viens de faire une énorme connerie. Ouais, j'ai l'impression. J'ai peur là. J'ai très très peur, les amis. Manager. Si je fais ça, ça va me ruiner, je sens. Voilà, j'étais. Ouais, bon. J'ai demandé de l'agroalimentaire, mais. Bon. J'ai gagné 70 000, je gagne plus que 25 000. Mais c'est pas grave, on fera une autre ville aussi qui fournira. Faut vraiment que je fasse plusieurs villes qui se spécialisent parce que vraiment là, j'en ai affreusement. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont? A besoin d'élite. Eh ben des élites t'en trouves. Excusez-moi. Je m'étouffe en plus. On va rajouter des élites, écoute. Oh là là. Ça va pas recommencer comme la dernière fois. Alors, et on va s'attaquer au métro tout de suite, je pense, ouais, parce que c'est le principal sujet. Les problèmes, on les réglera plus tard. Décidément, enfin, ça m'énerve parce que le jeu n'est pas très fluide. Ça me pose vraiment un problème. Ils sont victimes du rationnement. Ça, ils veulent des commerces. Ça, je suis conscient. Sont victimes du rationnement. Mais ouais, je veux bien, mais bon, je t'en ai mis partout des magasins et pourtant t'es pas content. Enfin, vous êtes pas content, puisque bien sûr, ils ne sont pas tout seuls. Bon, faut que j'arrête de dire de la merde. On va attendre un peu que ça se développe et let's go pour le métro, les amis. Alors, tout d'abord, on se rend dans transport. Alors, transport public. Compagnie de métro. Voilà. Alors. Attendez, c'est quoi ça? Compagnie de ferry. Ah oui, d'accord. Donc, on va construire la compagnie de métro, bah, en plein milieu du centre-ville. Ça aurait été bien ici. On va la construire là. Voilà, ici ça me semble parfait. Nickel. Nous avons notre compagnie de métro. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer nos lignes de métro. Par contre, je vais prévoir à l'avance. Donc, c'est-à-dire que je vais en faire passer par ici et tout ça. Enfin. Vous voyez le genre. Donc, bah, premier arrêt, on va le faire au dépôt. Écoutez, hein, hop, avec les lags. Alors, là, ça crée les rails, vous voyez. Faut que je trouve un endroit où le placer, par contre. Ici, je peux pas. What the fuck? Ici, je peux. Alors, voilà. Hop, vous voyez, c'est tout simple. On voit les rails ici qui sont représentés. Donc, on les place gentiment. Est-ce qu'on peut en mettre un? On va mettre un arrêt ici. Enfin, une station. Un arrêt. Un aéroport. Un aéroport. Non, je déconne. Voilà. On va faire le tour comme ça. On va pas se compliquer la tâche. Hop. Bon là, alors là pendant, ouh là là, pendant toute cette séquence, alors ça va bugger comme je sais pas quoi, parce que là en fait si vous voulez ça bouffe tellement de ressources et comme le jeu, je le redis à chaque fois, est super mal optimisé comme nous le savons tous, et ben voilà, ça lag. Ok bon, on va faire ça pour à peu près toute la ville, enfin toute la ville. Oh là là. Ouais, bon, ça va pas être une mince affaire, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, par contre, on va pas faire un métro allant dans la zone industrielle, je ne pense pas. Alors, est-ce qu'il veut bien me le placer? Alors là, si vous ne comprenez pas ce qui se passe et que vous ne voyez rien, c'est parce que chez moi aussi ça bug, hein. C'est tout à fait normal. Normalement, je dis bien normalement, je devrais changer de PC un jour. J'aimerais bien en acheter là d'ici quelques mois. Peut-être que je m'en achèterai un. Je vais travailler donc, je pense que. Ah mince, excusez-moi. Oui, c'est bon. Ok, j'ai validé.
Excusez-moi, petit bug. Ah, attention, là c'est en train de charger le truc. Donc voilà, nous avons nos lignes. Et voilà les amis. Pourquoi j'ai plus rien? Ok, c'est bon. Ouh, ça revient un peu à la normale. Ok, métro installé. Et nous faisons moins 28 000, c'est génial. C'est super. C'est vraiment une catastrophe, écoutez, c'est vraiment une catastrophe. Donc, si vous voyez ce que... Où je vais en venir. On va pas acheter, hein. Écoutez, on va économiser au lieu de faire les guignols. Au lieu de faire les guignols, on va donner un peu de main d'œuvre. Ça nous fera toujours de l'argent. Faut qu'on trouve un moyen de se faire plus d'argent. Ouais. Voilà, plus 30 000. Nous avons réglé le déficit, les amis. Alors, ici, on va essayer de résoudre un peu les problèmes, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que je fasse une autre ville, là, hein, c'est certain. Faut qu'on fasse au moins deux autres villes qui pourront venir en aide à celle-ci qui peine. Hein, qui peine beaucoup. Éducation. Faudrait peut-être que... 100 000. Non, mais ils sont sérieux. Alors, une éducation spécialisée. École de pétrochimie. École de commerce. École de commerce. Excusez-moi. École de commerce. Ah, école privée. Ah, école privée. Moi, je mets des écoles privées. Bah, parce que j'aime pas le public. Ce qui est complètement faux, mais c'est pas grave. Hop, ouais, parce qu'ils ont pas d'école là. Hein. On va mettre un collège ici, mais. Ouh là 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 là. Là, c'est la zone là, y'a personne là. Avec un lycée, c'est. Non, un lycée, j'ai dit. Un lycée! Ah oui, c'est bon, il l'a. J'avais pas vu. Excusez-moi, je m'énerve pour rien. Voilà. Ah là là, pardon. Ouais, bon, je pense que ça devrait le faire. Hein. Et ils sont toujours pas contents. Ah là là. Voilà. Écoutez, on va rajouter un peu d'industrie high-tech. Ici, on va développer une petite technopole à côté de l'aéroport. High-tech. Alors. Alors, je regarde. Il faut de manager qualifié. Ok. Attendez, ici, il faut quoi? Ah non. Ah si, il faut des élites. Et là aussi, je présume. Ah oui, merde, j'avais pas eu. Bon, écoutez, on va faire. On va faire avec, tant pis. Donc, petite technopole. Est-ce que ça va ramener de l'emploi? Et est-ce que ça va ramener des élites, notamment? Alors, pourquoi... Oh, on a passé les 700 000 abonnés. Les 700 000 abonnés. Les 700 000 habitants. Sécurité. Sécurité, ils ont pas l'air d'être très très satisfaits. Sécurité. Je peux pas faire plus, hein. Je peux te faire un commissariat central, mais c'est tout, hein. À côté de l'héliport, voilà. Ça me fait bien baisser mes revenus. Coût de la vie faible. Oh là là, putain, il nous scie les couilles. Bon, on fait... Là, c'est, ça fluctue, là. Le fric, c'est pas très stable. Hein. Il y a des soucis avec les magasins. Qu'est-ce qu'il me dit? Les magasins fonctionnent mal, quelque chose ne va pas. Ah bon, tu crois? S'ils fonctionnent mal, oui, c'est que quelque chose va pas, à mon avis. Hein. Sinon, c'est pas logique. C'est quoi le délire? Oula, excusez-moi, il y a eu un... Agroalimentaire. Ah, c'est l'agroalimentaire. Agroalimentaire, les amis. On peut plus continuer comme ça. Là, c'est terminé. Et là, je... Là, il se barre. Je comprends pas pourquoi. C'est la dèche, les amis. C'est la merde. Il faut des... Des élites. Il faut plus d'élites. Écoutez, il faut des logements pour travailleurs. Ben, ça, on va rajouter. C'est pas un souci. Je pense que là, on va arrêter... Et je vais commencer une nouvelle ville. Hein. Ouais, c'est impératif. Impératif, impératif, impératif de chez impératif. Bon, écoutez. On a combien? Oh, ça fait pas beaucoup d'épisodes. Ça fait pas longtemps. On va mêler un peu de travailleurs. On va faire...
Oh là là. Excusez-moi. Ici. Petite zone résidentielle, faible densité. Faible densité. Faible. Comment dire, faible. Enfin, faible qualification. Voilà, j'ai trouvé le mot. Hop là. Bon, on avance. On avance. Plus tard, on aura rempli à peu près toute cette zone d'habitation, de bureaux. Puisque, je vous le rappelle, on va spécialiser notre ville dans les bureaux. Enfin, l'est déjà un peu, et dans l'industrie high-tech. Ici, voilà, on a déjà pris une zone de bureaux. On en aura encore plus tard. Là, cette zone de manager ne se développe pas parce qu'il faut qu'on réponde vraiment à tous les besoins. Ce que je compte faire, c'est de créer une ville spécialisée dans deux ressources. Donc, la prochaine, je pense... non, Fourniville, ça va être l'agroalimentaire. Ça c'est déjà. On va prendre ça au hasard juste pour voir. Alors voilà. Ce que nous, on pourrait faire. On va créer une ville spécialisée dans l'électricité. Puis. Dans l'électricité. Et la manufacture, pourquoi pas. Enfin, dans l'industrie par exemple. Et une qui fera vraiment déchetterie. Vraiment déchetterie. Vraiment que déchetterie. Mais va falloir qu'elle gagne beaucoup d'argent. C'est compliqué ce jeu, hein. Faut réussir à équilibrer toutes les villes avec les échanges. Mais c'est ça qui est intéressant. Va falloir qu'on trouve le juste équilibre pour que toutes les villes se suffisent à elles-mêmes. Enfin, pas elles-mêmes, mais entre elles. C'est ça qui est intéressant dans le jeu. Ok. Bon, on a vu à peu près ce qu'il fallait. Dans le prochain épisode, j'aviserai. Et là, je commence à perdre de l'argent, les amis. Ça ne va plus. Parce que là, regardez-moi. Les magasins ne fonctionnent plus. Là, l'industrie high-tech se barre. Voilà. Bon. C'est un peu le gros caca. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Va falloir que je l'aie la question. Ouais, faut que Fourniville, je vende l'agroalimentaire ici. Hein, et pas l'autre. B là. Bon, bah je pense qu'on va se laisser là. Je perds suffisamment d'argent. Attendez, on va rajouter peut-être un peu de manufacture. Très difficile de trouver l'électricité. Bah. On va mettre en pause, écoutez. Bon. Faisons le point. C'est la merde. Les magasins ne fonctionnent pas. Enfin, c'est la grosse merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est agroalimentaire. On va faire péter l'agroalimentaire. On va faire une ville américaine. Oh, j'ai une brutasse d'idée en plus, vous allez voir. Ça va être épique. Je pense qu'on va se concentrer sur deux villes en même temps. Pour la suite de la série. Donc, plusieurs villes. Une agroalimentaire, traitement des déchets. Et l'autre, électricité et industrie. Et bien sûr, il faudra faire une ville touristique. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez plutôt commencer par une île paradisiaque ou bien les montagnes, au choix. On verra. Ce sera à vous de décider de toute façon. Enfin voilà. Bon, je pense qu'on va pouvoir se laisser ici. J'espère que cet épisode vous aura plu malgré les énormes lags. Hein. Bientôt ce sera réglé, imaginons. Hein. De toute façon, ce jeu est super mal foutu. Peut-être que je pense que si je baisse les graphismes ou une connerie de ce style, je devrais pouvoir y arriver, ouais. Enfin, bref. On verra ça une autre fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, et puis abonnez-vous pour voir la suite de cette aventure. Enfin, de cette galère, de cette crise mondiale absolument dévastatrice. Non, je rigole. On a quand même 700 000 habitants et on s'en sort... On survit, quoi. Enfin, voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.